Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire le nasi goreng qui est un plat indonésien. C'est un riz frit et vous allez voir qu'il est un petit peu différent des autres riz frits qu'on a déjà faites. Aujourd'hui, on va faire une version aux crevettes, mais sachez que vous pouvez varier la protéine que vous allez mettre dedans. Et pour cette fois-là, on va le faire dans le wok électrique, mais vous pouvez très bien le faire dans le wok en acier carbone. Ça va vous donner un petit goût de wok hei en plus, mais dans le wok électrique, ça marche super bien. Donc, on va aller voir la liste des ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! Comme la plupart des recettes qui se font dans un wok, ça va assez vite, donc on essaie d'avoir la plupart de nos ingrédients prêts. Donc aujourd'hui, pour faire deux portions, on va utiliser 12 crevettes. Ça peut être des petites ou des moyennes crevettes, vous pouvez en mettre plus ou en mettre moins. On va les décortiquer et les déveiner. Si jamais vous prenez une autre protéine, vous pourriez prendre pas mal n'importe quoi, je vous dirais, des restants que vous avez dans le frigo. Même si vous avez un restant de poulet rôti, vous pouvez mettre ça, un poulet qui est déjà cuit. Mais si vous utilisez une viande crue, il va juste falloir la cuire avant de faire le reste du riz frit. On a une à deux échalotes françaises qui est environ 30 grammes. On va la hacher pas trop finement, il faut qu'il y ait des petits morceaux. 3 gousses d'ail, encore une fois, hachées. Et dans ce riz frit-là, on utilise de la pâte de crevette. Normalement, ça prendrait de la pâte de crevette indonésienne. Moi, j'en ai pas trouvé, mais c'est correct si vous prenez la même pâte de crevette qu'on utilise dans les autres recettes. C'est sûr que ça a un goût assez prononcé, donc je vous dirais, on peut en mettre entre 3 quarts de cuillère à thé jusqu'à 1 cuillère à thé et demie. Moi, j'en mets 3 quarts de cuillère à thé parce que je trouve que ça goûte quand même beaucoup la crevette, mais vous pouvez quand même choisir la quantité que vous allez mettre. Idéalement, pour un riz frit, on va utiliser un riz qui a été cuit la veille ou v'là 2 jours. Pour faire 2 portions, ça va prendre 350 g, qui est environ 3 tasses. Si vous n'avez pas de riz cuit la veille, vous pouvez quand même prendre du riz fraîchement cuit. Sachez par exemple que ça va être un petit peu plus pâteux et idéalement, il faudrait prendre un wok électrique avec un revêtement en téflon parce que sinon, ça va vraiment coller dans le wok en métal. On a aussi une branche d'oignon vert que ça va être ajouté à la fin de la cuisson. On va juste couper ça en rondelles. Et là, la sauce d'assaisonnement, moi j'aime bien venir la pré-mixer comme ça me fait juste une chose de sauce à vider plutôt que de niaiser avec chacune de mes bouteilles. Le premier ingrédient pour cette sauce-là, ça va être la sauce soya sucrée indonésienne. Ça, c'est vraiment un ingrédient très important dans la cuisine indonésienne. Ils en mettent quand même partout. Je vous dirais que ça ressemble un petit peu à la sauce soya sucrée qu'on a déjà utilisée dans plusieurs de nos recettes. La différence au goût, je vous dirais que celle-là est un peu plus sucrée-salée. Les goûts sont un petit peu plus punchés. L'autre est un petit peu plus proche de la mélasse. C'est vraiment subtil là, comme différence, mais il y en a une pareille. Si jamais vous n'êtes pas capable de trouver la sauce ABC, vous pouvez y aller avec l'autre sauce soya sucrée. Ça va être très correct. Pour celle-là, on va en utiliser 1 cuillère à table et demie. Après ça, on va mettre 1 cuillère à table de sauce de poisson. Pour celle-là, je vais prendre la marque Squid. Et pour ajouter un petit côté piquant, on va mettre 4 cuillères à thé de sambal oleg. Vous pourriez en mettre un petit peu plus si vous voulez que ça soit un peu plus relevé. Mais 4 cuillères à thé, c'est juste assez pour donner un petit kick, mais sans être piquant. Donc, on remue bien. Donc là, on va commencer la cuisson. Je vais allumer mon wok à feu moyen. Ça, c'est 250 degrés Fahrenheit. Et on va mettre un petit fond d'huile. Une fois que c'est chaud, on peut mettre les crevettes. On va les cuire pendant environ 2 minutes ou un petit peu plus. On va juste les cuire complètement. Une fois qu'il va avoir un côté de bien grillé, on va juste les retourner. Une fois que les crevettes sont prêtes, on les transfère dans une assiette. Là, on va juste remettre un petit peu d'huile. On va mettre l'échalote française et l'ail. On va remuer ça pendant 30 à 60 secondes. Et là, on va mettre la pâte de crevette. On va venir continuer de faire revenir ça pendant un autre 30 secondes. On va essayer de venir l'écraser à travers l'ail et l'échalote. Si jamais vous trouvez que ça a l'air sec quand vous remuez et que ça colle un petit peu au fond, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'huile. Mais là, ça serait un niveau d'huile correct. Là. On voit que ça pétille autour des morceaux. Ça fait 30 secondes. On va rajouter le riz. Et on va bien remuer pour répartir tous les ingrédients ensemble. On en profite aussi pour écraser les petits motons de riz s'il y en a. On veut que les grains soient le plus séparés possible. Encore une fois, si ça semble un peu sec, n'hésitez pas à rajouter un peu d'huile. Le riz est bien mélangé. On va mettre la petite sauce. Et on va bien remuer.
Une fois que vous l'avez bien remué, c'est le temps de goûter et d'ajuster le niveau de salé. Moi, je sais que je mets tout le temps quelques crinques de sel, mais ça, c'est vraiment au goût. Vous n'êtes pas obligé de rajouter du sel non plus. Et là, je suis toujours à 250 degrés Fahrenheit. Le sel y est mélangé. On rajoute les oignons verts. On brasse un petit peu pendant 15 secondes. Après ça, on remet les crevettes ou n'importe quelle protéine que vous avez mis. On brasse un peu et on ferme le feu. Et là, moi, je vais juste garder un couvercle là-dessus le temps de finir de préparer mes petites garnitures, mais on est pas mal prêt à assembler le plat. Dans les garnitures, il va y avoir un œuf miroir. Ça peut être aussi un œuf cuit complètement des deux côtés. Ou vous pourriez aussi cuire l'œuf directement à travers le riz. Donc, dans ce temps-là, on fait juste pousser le riz d'un côté, on met l'œuf, on le brise un petit peu, et quand il est cuit à moitié, on fait juste le remélanger au riz et ça va finir la cuisson dans le riz. L'œuf, là, vous pouvez vraiment le faire comme vous voulez. Mais le plus classique, ça serait un œuf miroir qu'on dépose sur le dessus du riz. Après ça, c'est un plat qui est accompagné avec des chips de crabe ou des chips de crevettes. Vous allez voir, c'est des petites chips qui sont vendues dans des petites boîtes comme ça. C'est des petites galettes qui sont vraiment minces et tout petites. Et pour les cuire, on doit les mettre dans l'huile à 375 degrés Fahrenheit. Et vous allez voir qu'en comme 15 secondes, ça va se mettre à gonfler. Donc on passe d'une petite pastille à une grosse chip comme ça. Et bien sûr, on a le accord qu'on a déjà fait la vidéo la semaine dernière. Selon moi, c'est quelque chose qui doit absolument être avec ce plat-là parce que ça ajoute tellement de saveur. Le petit côté vinaigré et sucré est vraiment indispensable, ça ajoute beaucoup au plat. C'est un plat qui est souvent servi avec des légumes frais, donc concombre et tomates, ça serait dans les plus classiques. Les concombres, moi je vais les couper en petites tranches et les tomates en quartiers. Et il ne faut pas oublier les oignons frits. Nous, aujourd'hui, on ne se complique pas la vie. On prend des oignons frits qu'on achète déjà tout prêts en pot. Mais vous pourriez aussi les faire en vous coupant des petites échalotes françaises très finement et en les faisant frire dans de l'huile. Donc nous, il nous reste juste à aller préparer notre œuf et on va assembler le plat. Donc là, au moment de manger, je vous dirais, une bonne chose, ça serait de percer le jaune et de le mélanger un petit peu au riz. Ça va vous faire un riz qui est très crémeux. Moi, vu que je suis enceinte, je peux pas manger d'œufs coulants, donc je me suis juste fait cuire un œuf cuit au complet. Vous prenez une chip et vous prenez une petite portion de riz avec une crevette. On met des petits légumes marinés, un petit morceau d'œuf, des petits oignons frits, et ça nous fait une bouchée. J'aime tellement le petit côté des légumes, ça vient vraiment rafraîchir, ça complémente vraiment bien le goût du riz et les œufs aussi. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça étrange de mettre des œufs dans des repas normaux parce qu'on garde ça au déjeuner d'habitude au Québec, mais les œufs fonctionnent très très bien dans une recette comme ça. Moi, j'aime bien crever l'œuf justement pour rendre le riz crémeux. Pour moi, ça augmente beaucoup l'expérience. Saveur et texture incroyable en bouche, excellent! Ça fait différent aussi parce que cuisine vietnamienne et thaïlandaise, les chips de crabe ou crevettes, on mange ça surtout avec des salades. Oui, effectivement. C'est la première fois qu'on mange du riz avec des chips. C'est bon, hein? Donc, si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Pour ceux qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous ou si vous aimeriez nous montrer des photos des plats que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça, c'est notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Qu'est-ce que tu fais là? Amy? C'est une femme toucher le frigidaire? C'est une femme? Ah! Elle me tire! Qu'est-ce que tu fais là? Une fois que c'est chaud, on va mettre les crevettes. Ils sont bien collés!
C'est des petites galettes. T'es-tu en train de me déshabiller? C'est des petites galettes qui sont vraiment minces et tout petites. Et pour les cuire, on doit les mettre dans l'huile à 375 degrés Fahrenheit. Donc, on passe d'une petite pastille à une grosse chip comme ça. Tu me déshabilles. Tu veux-tu une petite chip de crabe? Tu veux-tu avoir du bon petit riz?